Bonjour Rémi, bonjour à tous. Je suis ravie de t'accueillir pour cette toute première vidéo d'une longue série et je suis vraiment, vraiment super excitée aujourd'hui parce que ça fait plus d'un an qu'on voulait faire cette vidéo et là, ça y est, le temps est enfin arrivé. Donc, je suis super excitée, super contente. Ça va être un super contenu de qualité pour les auditeurs. Alors, je vais vite expliquer ce qu'on va faire. En fait, on va faire une petite série de capsules vidéo que vous pourrez trouver sur ma chaîne, donc Crypto Formation Continue. Vous pourrez sûrement le trouver sur la chaîne de Rémi, donc Investir en crypto-monnaie. Et possiblement peut-être sur la chaîne du sommet des crypto-monnaies. Je ne sais pas encore, je vais voir comment on va goupiller ça. En attendant, qu'est-ce que c'est cette série de capsules? Eh bien, on va vous donner des tutoriels, en fait, vraiment très précis pour vous performer dans le holding. Donc, on va vous expliquer comment utiliser certains indicateurs pour trouver des points de sortie, des points d'entrée, savoir quelle direction pourrait prendre le marché, etc. Vous verrez au fur et à mesure. D'ailleurs, abonnez-vous à nos chaînes respectives parce que on va pas prévenir à l'avance. On va envoyer ces vidéos tous les X temps. Donc, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, vous ne pourrez pas les suivre et ça serait vraiment dommage parce que c'est un contenu indispensable quand on fait du holding. Donc, la première vidéo qu'on fait aujourd'hui, c'est Rémi va nous expliquer comment utiliser l'indicateur de Fibonacci pour trouver des points d'entrée, c'est-à-dire un bon moment d'achat sur une crypto qui vous intéresse et ça marche sur toutes les crypto-monnaies. Alors, Rémi, juste pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter vite, vite et puis ensuite on va commencer. Oui, bah, merci pour cette introduction exquise. Moi, je m'appelle Rémi, j'ai 22 ans. J'ai une chaîne YouTube technique des crypto-monnaies. C'était ma passion initialement. Et là, je suis fondateur d'un projet d'algorithme de trading. Voilà. Ouais, je vais d'ailleurs mettre ton lien à l'écran. Voilà, vous pouvez rejoindre le canal de Telegram de Rémi où justement il vous en dit un petit peu plus sur ce qu'il fait. Voilà, juste à scanner le QR code. Maintenant, vous savez comment on fait grâce à la COVID. Il faut bien qu'elle ait servi à quelque chose. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Alors, Rémi, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous expliques comment on fait pour trouver un point d'entrée. Alors, ça fonctionne aussi pour le trading, mais de manière beaucoup plus complexe, et c'est pas là-dessus qu'on va s'attarder. Nous, on va vraiment s'attarder sur les stratégies de holding. Donc, grâce à l'indicateur de Fibonacci, pardon, on va pouvoir trouver des points d'entrée. Mais en fait, je vais te laisser t'expliquer. Je vais te laisser nous expliquer tout ça et puis nous montrer le tutoriel. Avec plaisir. Est-ce que tu vois bien mon écran? Alors, je vais brancher ton écran et voilà. Ok, super. Comme l'introduction, tu l'as très très bien faite, on va utiliser aujourd'hui l'indicateur du retracement fibonacci, un indicateur qui est très utilisé par les traders et les investisseurs. Ça peut être notamment comme dans cette vidéo pour de l'investissement long terme. L'idée avec cet indicateur, ça va être de pouvoir trouver les points d'entrée. Aussi les points de sortie, mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur les points d'entrée. Donc, c'est l'indicateur le plus utilisé après les trendlines, si on peut les appeler comme un indicateur. C'est l'indicateur le plus utilisé dans le monde du trading. Aujourd'hui, on va voir comment le paramétrer et on va tenter de voir aussi le point d'entrée idéal lorsqu'il s'agit d'analyser une crypto-monnaie. C'est bon pour toi, Stéphanie? C'est bon C'est pour à moi. l'aise. Ok, bon, c'est parti. Vous avez besoin de vous munir de l'outil TradingView que vous pouvez retrouver sur Internet ou vous pouvez directement le télécharger sur votre ordinateur. Une fois que vous êtes connecté, vous n'avez pas besoin de payer la version premium. La version gratuite, ça marche déjà de base. Alors, il suffit d'aller en haut à gauche. Mais juste avant ça, j'étais en train de me dire, il faut que vous alliez sur un graphique. Donc pour ce faire, de manière très simple, vous allez en haut sur la petite loupe et nous, on va faire notre analyse sur le Bitcoin. Donc vous allez tout simplement taper BTC, USD et là, vous allez voir plusieurs échanges qui vous seront proposés. Vous prenez le premier, ce sera très très bien.
Et à ce moment-là, il y aura un graphique qui va s'afficher. Donc vous pouvez modifier l'échelle, vous voyez, de manière horizontale ou verticale. Pas d'inquiétude à ce sujet. Si vous êtes perdu, vous pouvez tout simplement recliquer sur la loupe et retrouver un nouveau graphique. Rémi, Dis-moi. est-ce que je peux te couper 2 secondes? Est-ce que ce serait Oui. possible de mettre ton Trading View en plein écran pour que ce soit un peu plus gros et qu'on voit mieux? Voilà. Un peu mieux? Ouais, est-ce que il est en plein écran? Oui, ok, c'est parfait. Merci. Je peux grossir un peu. Après, j'ai jamais fait. Après, c'est pas contrôle F. J'ai jamais fait. Non, mais c'était bien. Ouais, c'est ça. Ok, plein écran. Ok. Alors, donc là, vous êtes sur le graphique du Bitcoin face au dollar. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de poser notre indicateur de Fibonacci. Donc, pour le trouver, c'est très simple. Vous allez à gauche sur ce petit icône qui ressemble à un petit menu hamburger. Vous cliquez dessus. Si vous ne le trouvez pas, vous restez appuyé et vous allez voir qu'il y a un menu déroulant. Et à ce moment-là, vous pourrez sélectionner le retracement de Fibonacci. Donc vous cliquez dessus Oui, alors je et fais juste une petite aparté. Vous avez 2 outils de Fibonacci, vous avez le retracement et l'extension. Là, on parle bien du retracement, hein? exactement. Exactement. D'ailleurs, je crois que dans la version française, ça s'appelle prolongation. Ah, autant pour moi. Mais en anglais, c'est Fibonacci Extension, un truc comme ça. Ok, donc ça pose en deux temps. Premier clic, deuxième clic. Comment le poser? On va voir ça dans un instant. Avant, vous n'aurez pas du tout le même graphique que moi j'ai à l'écran. Vous aurez la chose de base. Donc la chose de base, c'est ça. Voilà. Donc c'est un bel arc-en-ciel. Donc pour le poser, je vais vous expliquer de manière très simple comment effectuer ça. Donc il va falloir que vous fassiez votre premier clic en bas à gauche, puis votre second clic en haut à droite sur les niveaux les plus bas et ensuite sur les niveaux les plus hauts. Donc, je m'exprime à travers un exemple visuel. Donc là, je vais tout simplement prendre le point le plus bas que je vois à mon écran, et ensuite je vais prendre le point le plus haut que je vois à mon écran. Donc le point le plus bas, c'est ce niveau-ci. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, si on fait la théorie de Do, ça c'est quelque chose d'essentiel à comprendre avant d'utiliser l'indicateur du retracement de Fibonacci. La théorie de Do, c'est un point bas. Un point haut, un point bas. Ensuite, ici, on a un point haut, un point bas, etc. Donc, pour utiliser à bien notre indicateur de retracement de Fibonacci, il faut cerner les points bas et les points hauts. On prend l'extrémité, le point bas, le plus bas qu'on connaît en bas à gauche. Ensuite, le plus haut extrême en haut à droite. Et on applique notre retracement de Fibonacci. Alors, Dans... est-ce que je Vas-y, peux me dis-moi. permettre de dire juste une petite précision? Là, tu es en unité de temps sur une semaine. Ça marche aussi sur le journalier, bien évidemment, et toute unité de temps. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que quand tu parles du point bas, le plus bas, comme tu es sur une unité de temps assez longue, donc la semaine, souvent, bah, pour ne pas dire majoritairement, le point bas va correspondre finalement au bottom du dernier bear market. Et le point haut va correspondre au top du dernier bull market. C'est bien ça? Correct. Parfait. Et d'ailleurs, tu as raison. Et à ce propos, on a une petite confusion. Il n'y a pas de bien ou de mauvais. Certains diront que le point le plus bas, c'était celui-ci. Et ce n'est pas faux. Mais il faut savoir que il y a beaucoup de traders qui analysent sur le Bitcoin en particulier, ce point bas étant le point bas du Covid. Donc après, ça ne change pas grand-chose, hein. On est à des niveaux assez similaires. Mais dans la réalité, le mieux, c'est que vous preniez le point le plus bas. Donc dans notre cas, on pourrait prendre celui-ci au niveau des 3200 dollars. Une fois que c'est posé,
Donc là, on a un graphique qui est intéressant, mais il va falloir analyser ce qui se passe à l'écran. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller direct dans l'onglet paramètres. Vous avez deux manières de rentrer dans l'onglet paramètres. Vous sélectionnez votre traçon de Fibonacci et vous cliquez sur la roue crantée. Deuxième solution, vous double-cliquez sur une des lignes présentes sur votre traçon de Fibonacci. Pour ce faire, vous allez dans style et là, vous allez pouvoir cocher ou décocher les valeurs qui vous intéressent. À savoir que vous pouvez aussi modifier les couleurs. Donc, voilà ce que je vous propose, c'est déjà de décocher tout ce qui est supérieur à 1, car ça ne nous intéressera pas. Et ensuite, on va modifier les couleurs. Pour y voir plus clair, on va mettre toutes les valeurs en blanche, sauf la valeur 0,618 qu'on va mettre en doré, mais également la valeur inférieure, donc 0,786, en doré. Et le reste, on met en blanc. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité garder ces valeurs-là en jaune et le reste en blanc? Eh bien, tout simplement parce que les valeurs en jaune, alors là, par contre, ça va pas le faire parce que c'est pas du tout comme je veux. Les valeurs en jaune, en fait, correspondent à notre point d'entrée idéal. C'est-à-dire, en langage technique, on appelle ça soit la zone de rechargement, c'est dit vulgairement, vous retrouvez ça souvent sur YouTube, ou zone d'OTE, pour dire en fait optimal trade entry. Et cette zone-là, c'est la zone idéale pour entrer sur une crypto-monnaie. Donc là, vous avez en réalité l'endroit idéal pour entrer sur la crypto-monnaie du Bitcoin. Ce niveau-là correspond entre le niveau des 28 000 dollars et le niveau des 17 000 dollars. Si on est en dessous du niveau des 0,786, on peut aussi investir et c'est même encore mieux parce que vous avez un point d'entrée encore plus idéal que le point d'entrée idéal. Donc, pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu peux remettre le paramètre, s'il te plaît? Tu as laissé que un seul point en jaune, enfin en doré, c'est le 0,786. Tu as mis en blanc tous les autres. Et donc, Ouais. l'idée, c'est d'aller chercher ce 0,786 de Fibonacci, parce que c'est là qu'on trouvera les meilleures zones d'achat. Alors, si c'est en dessous, tant mieux. Mais en tout cas, c'est à partir de là qu'on pourrait commencer à faire du DCA, par exemple. Exactement. D'accord. C'est bon. Est-ce que tu peux fermer le paramètre? Merci. Est-ce que tu peux faire juste un truc pour moi? Est-ce que tu peux reculer jusqu'au sommet, on va dire jusqu'à janvier ou février 2022? Et effacer les bougies qu'on voit par la suite. Ouais. Voilà. Donc là, en gros, comment ça fonctionne? C'est que, imaginons qu'on se trouve en février 2022, vous placez votre retracement de Fibonacci parce que vous pensez que le point qu'on a atteint était le point le plus haut. Alors, vous pouvez peut-être avoir raison. Peut-être qu'on passe en bear market et qu'effectivement c'était le point le plus haut, ou peut-être que c'est une simple correction et ça l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, en ayant mis Fibonacci comme ça, eh bien avec ce point haut, si on ne remonte pas par la suite, eh bien vous avez votre position d'achat idéale. Et même si on va dans une correction, peu importe en fait finalement, vous savez que quand on rentre dans la zone jaune ou qu'on met en dessous de la zone jaune, c'est idéalement à cet endroit qu'il faut acheter. Et si après, par la suite, eh bien vous pouvez voir que si tu remets les bougies, vous voyez qu'effectivement, on tombe pile, pile, pile dans cette zone. Exactement. Exactement. On est pile rentré en fait dans cette zone-là. Et d'ailleurs, c'est là la magie de ce retracement Fibonacci parce que c'est l'un des indicateurs les plus utilisés et aussi par les institutionnels. Ben, c'est le point d'entrée que la majorité en fait des personnes ayant un portefeuille, on va dire, conséquent, ils vont se positionner en fait sur ce genre de niveau-là. Donc, vous allez rentrer en même temps que eux, et on le voit très bien, et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que vous pouvez voir que pile sur le niveau des 0,618, quand on commençait à rentrer dans la zone d'optimal trade entry, on avait une belle stagnation qui
qui avait duré 1 mois. Et pareil, lorsqu'on confronte le niveau des 0,786, ben vous voyez qu'ici, on a un très beau rejet qu'on avait vécu en juin 2022. Et pareil, ici, une stagnation qui est devenue en fait une résistance. Et puis ensuite, on a une belle poussée haussière sur ce niveau-là. Donc, ce sont des niveaux vraiment très, 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 très intéressants et qu'il faut pas prendre à la légère. Non, c'est un outil très très puissant. Et puis, je sais pas toi, mais moi quand je vois dans les commentaires, même quand je vois les commentaires sur d'autres chaînes comme Paul ou Chantal ou peu importe, il y a toujours les mêmes questions. Quand est-ce que c'est le moment d'acheter? Ça, c'est toujours la question récurrente. Eh bien, quand est-ce le moment d'acheter? En utilisant Fibonacci, ça vous donne déjà un immense indicateur. On va vous en donner d'autres avec d'autres capsules vidéo. Vous allez voir, vous allez avoir tout un arsenal d'outils, mais Fibonacci en est un déjà que vous pourrez cumuler avec les autres, bien évidemment. Plus ils vont aller dans le même sens et plus ça va être un bon moment d'achat. Mais du coup, vous pouvez déterminer par vous-même quand est-ce le bon moment d'achat. Voilà. Est-ce que tu avais des choses à rajouter, Annie? Oui, en fait, quand on arrive dans la zone d'optimal trade entry, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Mais peut-être que c'est des choses que tu souhaiterais qu'on aborde plus tard. Bien sûr. Non, non, on peut les Ok. aborder ici. Ok, Vas-y. donc moi, Rémi, je n'achète pas quand ça rentre pile dans la zone d'optimal trade entry. En fait, dis-moi. Et moi, Stéphanie, Ah. non plus. Ah bah voilà, non, mais ça, c'est quelque chose qui va être extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, le monde des crypto-monnaies, il y a plein de choses à évaluer. Il n'y a pas que l'analyse technique. Là, on ne fait que de l'analyse technique. Donc, il y a le côté cyclique qui est très important et plein d'autres choses aussi. Mais si on devait parler que du côté technique, il y a quelque chose qui, moi, est très important, c'est les tendances. Là, on voit qu'on a une tendance baissière parce qu'on a des points bas, des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Et à quel moment je commencerai à rentrer? Je commencerai à rentrer à des moments où on va pouvoir casser, vous voyez, ce précédent point haut. Là, on a clôturé au-dessus. Là, OK. Commencer à faire du DCA, c'est bien. OK? Après, là, je suis cru dans ma manière d'analyser que de manière technique. Bien évidemment, avec une manière cyclique, peut-être j'aurais investi ici parce qu'il y aurait eu des signaux cycliques. Mais de manière 100% technique, si on n'avait que les graphiques sous les yeux, c'est comme ça que j'aurais procédé parce que je sais que j'aurais pas perdu mon temps à investir. Par exemple, je vous donne un exemple. On va effacer tout ça. Là, vous rentrez, bah, du coup, vous commencez à investir. Sauf que vous perdez votre argent parce que vous investissez là. Ça continue et ça continue. Alors qu'à ce moment-là, vous investissez et la probabilité que ça continue à monter est plus forte que la probabilité que ici, ça fasse juste un pic pour remonter d'un coup. Voilà comment je procède. Stéphanie, tu as peut-être une manière différente de procéder. Non, moi, bah, c'est à peu près la même chose. Moi, ce que je fais, c'est que je rentre sur à partir du moment où on casse la ligne de 0,786, donc le bottom qu'on voit, voilà, ici. À ce moment-là, je vais prendre une toute petite position parce que je sais que justement avec mon Fibonacci et tout un tas d'autres indicateurs qu'on verra dans d'autres capsules vidéo, je sais qu'à ce moment-là, il y a des chances qu'on ait atteint le bottom, mais pas forcément. Donc, je ne vais pas mettre tout mon argent là-dedans. Je vais mettre une toute petite position, peut-être un 10% de mon budget ou quelque chose comme ça, que je vais investir ici. Et ensuite, comme Rémi, j'attends que l'analyse technique nous montre qu'on est sorti du marché baissier, en l'occurrence ici, ou d'une correction, à partir du moment où on commence à faire des points plus hauts que les précédents. À ce moment-là, je vais commencer à faire du DCA un petit peu plus agressif. Peut-être ce serait intéressant d'aller sur une crypto-monnaie, j'allais prendre le Solana, tu sais, qui a subi une correction intense pour justement voir comment ça serait passé sur une crypto pareille. Donc là, je prends le Solana, hein, par exemple. Donc le point bas. Alors, ah oui, alors ça c'est aussi quelque chose. Ça c'est quelque chose aussi important. Je pense que ça peut être intéressant d'évoquer ça. Là, vous allez dire, oui, mais du coup, Rémi, le point bas, il est où? Ah oui, donc ça, c'est quelque chose d'important, parce que depuis le début
depuis la sortie, va-t-on dire, de Solana, il n'y a pas vraiment de point barre, en fait. Donc, quand il s'agit d'analyser ce genre de crypto-monnaie, le point bas peut être considéré comme le niveau zéro. Et à ce moment-là, vous pouvez aller chercher l'ATH directement, parce que l'historique n'est pas assez grand et de ce fait, vous n'avez pas encore de précédent point bas. Voilà. Après, vous auriez pu aussi effectivement prendre ce point bas-là, mais finalement, ça ne change pas grand-chose puisque les valeurs sont tellement petites que il n'y a pas d'impact sur le graphique. Donc là, en fait, dans ta technique, Stéphanie, et c'est ça qui est magique dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu aurais pris quoi? Tu aurais pris 10% Ouais, une toute petite position et ici, après, tu aurais exactement. attendu des points bas de plus en plus haut. Et là, peut-être, tu aurais commencé à réinvestir parce qu'on a cassé ici le point haut. Je vois pas assez bien. Est-ce que tu peux agrandir un petit peu? Je suis sûr que ça a cassé, que ça a clôturé, puisque je la connais. Mais... Voilà. Non, j'aurais là, je non, moi, je, pour l'instant, je serais toujours en attente Oui, d'investir. Tant très qu'on intéressant. n'aura pas. Ouais. Là, j'aurais pas encore réinvesti. Alors, j'aurais peut-être fait du DCA, j'aurais peut-être pris une autre toute petite D'accord. position, mais je n'aurais pas mis beaucoup de mon budget. OK. Parce que selon moi, suivant ce que on vient d'expliquer, si tu agrandis un petit peu ton écran, on n'est pas encore remonté au dernier point haut finalement. Celui-ci. Avant la grosse chute. Alors, soit ici, soit juste celui Celui-là. d'en dessous. Ouais, D'accord. celui-là. D'accord. Ouais. OK. Donc, à partir du moment où on va dépasser ce point, stagner un peu et vraiment repartir à la hausse, peut-être que là, j'aurais pris encore un petit peu. T'as une analyse Par peut-être plus contre, mensuelle, toi, alors. c'est pas forcément que ce soit plus mensuel, c'est que pour investir le Ouais. gros de mon budget, je préfère attendre une confirmation qu'on arrête de Ouais, descendre, bien si tu sûr, veux. bien sûr. Ok, très intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait Ce sur ce graphique, en graphique? fait. On va peut-être commencer à parler d'autre chose, mais en fait, moi, ce que j'aurais fait, où est mon outil favori là? Voilà. En fait, de manière très simple, j'applique mon range. Là, je vois que ici, on a on est une structure avec une ancienne résistance, un ancien support par ici. Je vois que là, on a cassé notre précédent point haut. En hebdomadaire, alors on l'a pas cassé en mensuel comme on l'a vu, mais en hebdomadaire c'est OK, on a clôturé au-dessus, pour moi c'est une confirmation, ici on a un point bas qui s'est formé, même si le prix vient redescendre en dessous, ça me gêne pas tant que ça parce que je sais qu'on est dans un range et que cycliquement, tu vois, je me base aussi cycliquement, là je te le cache pas, je sais aussi qu'on est dans une période très intéressante et on s'approchera dans très très peu de temps. Probablement d'une altcoin season, ou en tout cas, s'il n'y en a pas, on investit dans un range, on va pas perdre son argent, tu vois. Donc, pour moi, j'aurais investi, ça m'aurait pas dérangé. Ouais, tu vois, c'est très bien que tu as mis ton rectangle là, justement. Moi, je vais, dans Dis-moi. ma technique à moi, je vais attendre qu'on sorte du range, donc qu'on sorte du rectangle, qu'on transforme ce haut de rectangle en support. Et à partir de là, oui, effectivement, j'aurais commencé à faire un peu plus de DCA. Ben, j'ai un truc à te montrer. Est-ce que je peux te. Tu peux enlever l'écran ou je l'enlève? Attends. Non, non, c'est bon, je vais te l'enlever. Attends. Hop. On va revoir nos têtes en Parce que bas. regarde. Parce que dans mon année. Regarde. Parce qu'en plus, moi, j'imprime mes trucs. En fait. Non, mais. Regarde. C'est exactement ça. En gros, quand tu as une période de range, moi, c'est comme ça que j'opère. C'est qu'en gros, soit j'investis quand il s'agit de la structure dans le bas de range. Soit la cassure, soit au rebond. C'est ça, toi, tu opères un peu comme ça aussi?
Oui, j'opère un petit peu comme ça. Alors, bien évidemment, faut tenir compte des cycles et puis de l'actualité pour certaines crypto-monnaies. Mais oui, je vais attendre. Je vais peut-être commencer à partir du moment où on va aller toucher le bas du Ouais. rectangle. Donc, comme on a vu sur ton dessin tout à l'heure, là, je vais investir un petit peu, mais vraiment très peu. Et je vais attendre de sortir du rectangle pour investir plus. D'accord. Oui, parce que c'est une confirmation puissante et de ce Exact. fait, tu peux injecter plus, tu as plus de probabilité. Ok, Exact. je vois. Bon, bah merci Rémi pour cette explication. Moi, je trouve ça vraiment passionnant et j'espère que ça aura surtout aidé les gens qui se posent toujours la question, l'éternelle question, quand est-ce qu'il faut acheter? Donc ça c'est déjà une partie de la réponse. Alors, comme on le verra dans toutes les autres vidéos qu'on va vous faire, ce n'est pas la réponse en complet, c'est une partie de la réponse. Donc, si je résume, premièrement, on prend le point bas le plus extrême à gauche de l'écran, qui majoritairement va correspondre au dernier bottom en date. Donc, si vous prenez cycliquement, que ce soit sur une unité mensuelle, hebdomadaire ou journalière, normalement, votre point bas devrait correspondre au dernier bottom au bottom du dernier bear market. Et ensuite, le point haut, on monte donc le Fibonacci jusqu'au point haut. Le point haut, lui, il doit correspondre au sommet le plus haut du bull market. Sachant qu'au moment où vous allez tracer ça, vous ne pourrez pas savoir si c'est le point le plus haut. Vous allez supposer que c'est le point le plus haut. Et vous allez tracer vos traits. Ah, on pourrait montrer ça aussi. Je termine juste et après on va vous montrer une petite technique. Donc vous supposez que c'est le point le plus haut et vous pouvez tracer donc vos traits pour savoir où se trouve la zone de recharge. Si on monte encore plus haut, eh bien vous déplacez simplement votre Fibonacci au point le plus haut et vous recommencez le travail. Et si c'était bien effectivement le point le plus haut, eh bien c'est parfait, c'est déjà fait. Donc ce qu'on pourrait leur montrer, le petit truc et astuce supplémentaire, c'est de tracer des droites justement. Là on a le Fibonacci, mais est-ce que tu peux leur montrer comment tracer un rectangle à l'écran pour que quand on enlève Fibonacci, ils aient quand même enregistré sur leur graphique le rectangle qui reste et qui s'affiche, qu'ils peuvent enregistrer pour toujours l'avoir sous les yeux. Comme ça, on peut tout de suite savoir si, par exemple, on est en bear market et que c'était bien effectivement le point le plus haut. Vous savez où la zone se trouve, vous l'aurez. Donc, vous pouvez vous mettre des alertes de prix entre le prix plus haut du rectangle et le prix le plus bas du rectangle pour pouvoir faire vos achats ou placer des ordres d'achat. Et puis, si jamais c'était pas le point le plus haut, c'est pas grave, vous laissez ce rectangle et vous allez en créer un autre en fonction de votre nouveau point le plus haut. Je sais pas si c'est Bah, clair pour ce que rendre j'ai ça dit. clair, on va tout simplement le faire de manière très rapide. Et là, c'est exactement ce que tu expliquais. Moi, ce que je propose, Voilà. Stéphanie, je pense que tu vas vraiment apprécier, c'est qu'on apprenne aux personnes spectateurs de cette vidéo comment être précis, comme on dit, au laser. Alors, fais-toi plaisir, Ok, ça me fait plaisir. super. Donc, pour être ultra précis dans notre analyse et pour faire un rectangle le mieux positionné avec les meilleurs prix affichés à l'écran, je vais vous montrer comment faire. De manière très simple, vous allez appuyer sur votre clavier, sur la touche commande si vous êtes sur Mac ou contrôle si vous êtes sur Windows. À ce moment-là, vous pourrez positionner votre retracement de Fibonacci sur la mèche la plus basse. Voilà. En fait, ça va faire une sorte d'effet magnétique et ça va aller automatiquement se coller au point le plus bas. Exactement. Et là, on va faire exactement pareil pour le point le plus haut. Comme ça. Donc là, on a les niveaux clés sur le retracement de Fibonacci. Maintenant, pour le rectangle. Donc le rectangle, vous la posez comme vous voulez à l'écran. Pas d'inquiétude. On double-clique dessus. On va ensuite prolonger à droite, puis prolonger à gauche, comme ça fait tout notre écran. Ensuite, on va dans coordonnées, et là, dans le hashtag 1, donc c'est le niveau supérieur,
on va rentrer exactement ce qui est écrit sur le niveau 0618, soit 28 288,09. Et pareil, 0786, donc là, ça va être 17 221,39. Et là, on a notre rectangle qui est parfaitement concordé avec notre retracement Fibonacci. On peut supprimer le retracement Fibonacci. Et du coup, vous pouvez sauvegarder votre. Est-ce que tu peux leur montrer comment on sauvegarde un Oui, de graphique? manière très simple. Vous faites hop, auto. Bah, de base, il y a une auto-sauvegarde qui s'effectue, mais sinon, vous avez juste à appuyer sur contrôle. Alors, moi, j'appuie toujours sur contrôle S pour enregistrer le graphique. Je sais pas, d'ailleurs, moi, je fais toujours contrôle S. Il y a peut-être. Oui, moi aussi, je fais Ok, bon, toujours bah, ça. ça va. Pareil. OK. Donc là, bah, c'est parfait. Donc maintenant, une fois que vous avez enregistré ça, bah, vous savez que dans cette zone jaune, c'est le meilleur point d'entrée que vous pourrez. Enfin, c'est le début des meilleurs points d'entrée que vous pouvez avoir. Donc tant qu'on n'a pas atteint ces points jaunes, c'est que le bear market n'est pas fini. Alors, on parle de bear market ici parce qu'on est en unité de temps hebdomadaire, hein, je le répète, on est sur une semaine. Si vous étiez en journalier, bah, si en journalier, ça peut être pareil, mais des unités plus petites, ça ne fonctionne pas de la même manière. Bien, alors maintenant que vous avez tout ça en main, suivez-nous donc sur nos réseaux sociaux. Déjà, ça nous encourage, premièrement. Et deuxièmement, comme je vous l'ai dit, on va faire tout un tas d'indicateurs. On va vous parler, déjà, la première chaîne vidéo, ça sera pour vous montrer les points de sortie, déjà, avec la même technique. Et puis, on va vous montrer d'autres vidéos, sur d'autres vidéos, comment être encore plus précis et avoir plus d'indices qui vont tous dans le même sens, notamment avec les cycles, justement, etc. Je ne vais pas spoiler, alors je vais me taire. Rémi, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir montré tout ça. Et puis, ben, on se dit à bientôt dans Avec une plaisir, prochaine vidéo. Stéphanie. Bye.